Le segment des compacts est le plus important d'Europe. Après l'arrêt de production de la Bravo il y a plus de 2 ans, Fiat y revient avec une nouvelle typo, disponible en 4 portes, en 5 portes comme ici, ou en break à partir de la rentrée prochaine. Notre version 5 portes mesure 4,37 m de long, soit autant qu'une Focus actuelle. La typo est disponible avec deux blocs essence de 95 et 120 chevaux et deux blocs diesel affichant également 95 et 120 chevaux. Nous essayons le petit diesel associé à la finition Easy, presque le haut de gamme qui reçoit en série les feux d'urne à LED ou des jantes à liage. A l'intérieur, la planche de bord inédite a droit à du plastique moussé sur sa partie supérieure. La présentation est en deçà des standards de la catégorie mais reste tout à fait correcte. L'écran tactile 7 pouces de série sur les finitions les plus hautes se distingue par une bonne réactivité. Il recèle les réglages du freinage automatique d'urgence, disponible en série ou en option sur la plupart des versions. A l'arrière, la typo offre une habitabilité mitigée, excellente en largeur mais décevante pour l'espace aux genoux. La contenance du coffre est annoncée à 440 dm3, excellent dans la catégorie. Contact et le petit 1,3 litre diesel se montre assez discret au ralenti. Ce petit bloc souffre d'un creux à bas régime et d'un temps de réponse sensible du turbo. Du coup, difficile de conduire au couple et par exemple en montagne, il faut rétrograder sans arrêt. La commande de boîte bénéficie d'une course assez courte, mais les verrouillages manquent de netteté. Côté châssis, notre typo avec les roues de 17 pouces s'est montré ferme en filtrage, sans briller par son agrément sur petite route. La voiture est saine, sans histoire, mais le compromis confort-comportement déçoit par rapport au compact actuel. Finissons par l'atout maître de cette nouvelle typo, son prix. La typo 5 portes commence en effet à 13 900 €, avec déjà la climatisation et le Bluetooth de série. C'est tout simplement imbattable sur ce segment. Notre modèle d'essai lui dépasse les 19 000 € en diesel bien équipé et même 20 000 € avec les options. Cette typo offre certes des prestations pas toujours à la hauteur d'un segment très compétitif, mais pas loin non plus, alors que le prix, lui, est nettement inférieur. Bref, le rapport prix-prestation est excellent et les versions qui restent sous les 18 000 € sont carrément seules au monde.